Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Astrobot. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser le trophée Ils tombent comme des mouches. Alors pour réaliser ce trophée, il va falloir vaincre cet ennemi avec un lance-câble. Donc tout d'abord, on va devoir se rendre dans la galaxie du Radiant du Rapace. Ensuite, une fois qu'on est dans cette galaxie, il va falloir aller dans le niveau Machine à l'horizon. Donc c'est le niveau ici. Je crois que c'est le dernier niveau que l'on fait dans la galaxie. Voilà, ça y est, vous êtes dans le niveau. Une fois que c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre plus ou moins vers la moitié. Donc c'est évidemment avoir le pouvoir. Ensuite, une fois que vous avez le pouvoir, vous avancez un peu et vous allez à un moment trouver des lance-câbles. Donc à un moment, vous allez en trouver deux. Le problème, c'est qu'il n'y a que deux ennemis. Donc je ne sais pas si on peut avoir ces deux ennemis-là suivis des autres. Mais ce qu'on va faire, c'est tenter de réaliser le trophée en une fois. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, on voit ici quand même que les ennemis arrivent à se faire des dégâts sur les fils. Mais c'est vraiment dans la partie ici au-dessus qu'on va pouvoir réaliser le défi assez facilement. Donc on peut voir qu'il y a ici autour de nous 7 ennemis au total. Alors le petit souci, c'est que si vous en tuez un par erreur, donc ça peut arriver, vous avez toujours l'opportunité de sauter et vous allez revenir un peu en arrière. Donc évidemment, n'allez pas valider le point de sauvegarde ici plus haut. On le voit, il est ici en haut en rouge, donc ne le validez pas. Laissez-le en rouge, comme ça, dès que vous ratez le défi, bah, d'ailleurs vous allez le voir rapidement, vous n'aurez pas le trophée validé. Dès que vous le ratez, vous avez toujours la possibilité de sauter. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pas su le valider en une fois. Autre petit détail aussi, c'est que si vous utilisez vos lasers en sautant, attention que ça peut casser les câbles électrifiés. Et donc forcément, si vous les cassez, vous allez avoir du mal à réaliser le défi. Donc si vous voulez passer d'une zone à l'autre, et bien tout simplement, utilisez les rochers qui se trouvent à la droite de votre personnage, ainsi qu'à la gauche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené tout ce gentil petit monde et je les ai envoyés vers les fils électrifiés. Donc parfois, ça ne marche pas parce qu'ils sont tombés dans le vide, donc faites un peu attention à ça. C'est pas grave, si c'est le cas, vous sautez, vous recommencez gentiment. Donc voilà, vous allez les chercher, vous lancez l'aggro sur vous. Et puis tout simplement, ils vont finir par se mettre dans les câbles et mourir. Et c'est ainsi que bêtement, vous allez valider le succès dans Astrobot. Voilà, moi en tout cas, j'espère avoir pu vous aider à réaliser ce succès. Donc ce succès qui s'appelle « Ils tombent comme des mouches ». Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je publie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était Lidora. Salut, salut.